Salut à tous, c'est Jacques Alinguet de Dijon. Donc voici mon équipe de légende LMB. À la main, je choisis David Olson, parce que j'ai joué avec lui pendant de longues années. Pour moi, c'est quelqu'un qui sait tout faire sur un terrain. Il sait crosser, il sait shooter, clutch. Franchement, en plus, il me gave beaucoup de passes. C'est vraiment un joueur que j'apprécie énormément et que je souhaiterais à tout intérieur de jouer avec lui parce que c'est vraiment un top joueur. En poste 2, je choisis Michael Riley. Donc, parce que c'est un joueur très très élégant à avoir joué. Donc je sais qu'il m'a assez martyrisé sur un terrain, il a assez martyrisé mon équipe. Il est d'une facilité déconcertante sur un terrain et c'est un joueur très très beau à avoir joué et super élégant. 5 secondes, c'est Riley qui shoot. En poste 3, je choisis Ricardo Greer. Donc même s'il a fini sa carrière en poste 4, donc c'est quelqu'un qui est c'est vraiment un leader dans l'âme. Il est vraiment très puissant sur un terrain, il est super complet, il s'est posté, c'est vraiment un bon point de fixation, il est puissant, il fait plein de place et pour moi c'est quelqu'un qui m'a assez marqué. En poste 4, je choisis Tim Blue. Donc Tim Blue qui est un joueur remarquable sur qui j'ai défendu et j'ai eu assez de mal à défendre sur lui. C'est un joueur qui est super intelligent, qui sait se placer, qui sait mettre les autres en valeur et j'ai vraiment eu du mal à défendre. Je me rappelle vraiment de l'autre duel quand j'ai joué contre lui quand il était en team. En poste 5, je choisis Mustapha Fall. Donc faut pas qu'il s'enflamme parce que c'est vrai que c'est un des postes 5 sur lesquels j'ai eu le plus de mal à défendre parce qu'il est présent des deux côtés du terrain, donc il est assez mobile pour sa taille. C'est un joueur qui a une très très bonne vision de jeu. Mais calme-toi, calme-toi. En sixième homme, je choisis Zachary Peacock qui a joué à Bourg-en-Bresse pendant longtemps. Donc c'est un des joueurs sur lesquels aussi j'ai eu très très du mal à défendre. C'est un joueur qui est un compétiteur, qui sait tout faire sur un terrain, qui shoot, qui est physique. J'espère le recroiser sur un terrain et c'est vraiment un joueur contre qui j'aime beaucoup défendre. Pour coacher cette équipe, je choisis coach Le Niam, avec qui j'ai passé de très très bonnes années avec. Coach Le Niam, même si c'est un coach très très virulent, d'où son surnom Le Niamovic, c'est un coach qui sait inculquer sa philosophie et qui sait s'adapter aux joueurs. Donc c'est ce coach que je choisis pour coacher cette équipe. Voilà, c'était mon équipe de légende. À vous de faire la vôtre en commentaire.